Salut tout le monde! On se retrouve pour la suite de l'épisode 53 pour la fin des travaux de ce même week-end. Je vous donne rendez-vous au sommet du toit de la partie centrale du mini château, là où je vais fixer au sommet une panne de 15 cm de haut qui me servira plus tard à la fixation des tuiles de fêtage. Le toit étant juste assez pentu pour être dangereux, maintenant qu'il est rempli d'isolant, je me sers d'un élément de petit échafaudage que je maintiens avec des cendres de lavage sur le versant opposé. Cela permet de travailler sereinement pour la mise en place du parapluie. Puis je déroule tranquillement mon parapluie d'un bout à l'autre. Sur la fausse cheminée, je mets une chute de gouttière de la grange pour rediriger l'eau de dessus sur le parapluie de chaque côté. N'ayant pas fait de chevêtre béton pour le moment, je rajoute une chute de parapluie pour que l'eau aille bien dans cette gouttière provisoire. Je retire les lithots de l'arrêtier pour soigner les jonctions des deux parapluies entre la première partie couverte et celle faite à l'instant. Puis cloue provisoirement le parapluie du faîtage le temps que le versant opposé l'y rejoigne. Je crée ensuite une petite avancée au-dessus de la poutre principale de la charpente, car j'ai fait le choix de la laisser dépasser en dehors du bâti. Puis je termine par la pose de quelques montants à placo. Je vais pouvoir terminer ce pan de toiture désormais. Je décloue le litho du bord du parapluie pour faire croiser mes deux côtés en dessous. La jonction sera donc étanche malgré qu'elle soit réalisée en deux morceaux différents. Il ne me reste plus qu'à croiser mes parapluies du fêtage dans le bon sens par rapport au vent dominant et je vais pouvoir quitter le chantier sereinement. Allez, encore le dernier pont de toiture en triangle du côté de la tour à remplir et la partie centrale du mini-château sera un peu mieux protégée de la pluie. Mais ce sera pour le week-end prochain, je l'espère. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour découvrir la suite de mes travaux.